processus qui existe à l'interne, on tient compte de chacune des lettres, effectivement, qui a été achevée, et on retire de nos parcours, pour l'instant, les gens qui lui ont signifié l'absence, le non-volonté d'avoir ce compteur-là. Et on offre, en échange, l'option de retraite. Donc, si ça s'est produit, ça peut être une erreur particulière, spécifique. J'ai pris votre nom, j'ai pris votre adresse, on va regarder ça. La question, c'est, avez-vous dit pour l'instant ce qui veut dire que... Ce qui signifie que le moment, je ne sais pas si vous aviez reçu à l'origine, 30 jours avant, la lettre qui confirmait qu'on était pour passer. Oui, non. Il y a des situations où vous pourriez avoir reçu des situations que non. Notre processus est conduit pour l'instant, donc on va vous revenir avec une lettre, une confirmation qu'on a l'intention de passer. Vous allez avoir un numéro de téléphone sur cette lettre-là qui vous demande de nous appeler pour nous le reconfirmer. Et à partir de là, vous avez le choix d'opter pour une option, dans le fond, d'un compteur non communicant. Donc, ce qu'on dit pour l'instant, c'est qu'on reçoit votre lettre, on retire, dans le fond, votre abonnement, votre nom dans le parcours. Et si on a repassé, effectivement, on va vous demander 30 jours avant, si vous voulez, à nouveau. OK. Voilà. Là, j'ai quoi faire.